Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 16 février 2024 et nous sommes très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro Réaction où nous allons réagir à l'actualité. Et l'actualité qui est prédominante, c'est Sake. Vous avez bien compris que c'est à l'est de la République démocratique du Congo où se trouve maintenant le théâtre et que la République démocratique du Congo commence à prendre Sake comme une symbole de la résistance. Il y a des images qui sont en train d'être, qui vont en viral sur le réseau. Ces images-là, c'est l'image aussi de Madame Denise Nyakero, la femme au président de la République, qui pleure effectivement et devant un public sélectionné de femmes et qu'elle est en train d'implorer le Seigneur, tout ça. Et de l'autre côté, nous voyons beaucoup de gens qui sont en train d'encourager le FARDC en disant que non, le FARDC doit faire quelque chose, il y a du bon travail. En tout cas, les informations sont croisées sur les réseaux tellement que on commence à se poser la question. Il y a solo Ezali Wapi, Lokuta Ezali Wapi. Kadiosha Ezali Wapi, Batumi Nyango Bazolo Babo, Solo Bani Nyango Bazako Kosa. Qui ont l'intérêt à mentir? Ça va pour quel intérêt où il y a des images comme ça qui nous défilent? Où il y a d'autres parts, d'autres qui pleurent, d'autres parts. On nous dit qu'il y a génocide, il y a préparation. Presque partout dans le monde où les Congolais, je ne sais pas s'ils sont induits en erreur, en disant qu'ils vont manifester, ils vont marcher. Ici en Afrique du Sud, on programme une marche, je crois que c'est le 1er ou bien le 29 février de ce mois, où on se prépare pour justement aller devant l'ambassade des États-Unis, où il faut réclamer. Voilà de quoi nous allons réagir aujourd'hui, parce que il y a beaucoup trop de questions qui nous ont été posées, qu'on vous nous envoyez, Makamboza et Belé. Nous, on ne sait même pas comment est-ce que nous allons commencer à réagir. Néanmoins, nous allons faire un effort de vous donner nos points de vue. Ezala Mabe, Ezala Malamu, Oekozo Kisabatu, ou bien Oeko Sepelisabino. Moi, je ne dirai que la vérité. Oyonga Nazako Kanisa. Bien sûr, Malobanabiso Zali, Malobatea, Eza parole d'évangile, te. Mais nous réfléchissons ici beaucoup plus sur Tokobina la situation en Bénin. Pourquoi Batouba comme Nicolas Latine à télévision? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avions perdu espoir à ce que nos FARDC vont gagner cette guerre? Parce que nous avions montré à la face du monde aux Congolais en leur disant que la solution pour que la sécurité zone en Est, solution Zalimoko, il faut que nous ayons la guerre, aussi la rana Batouana. Le peuple congolais aujourd'hui est prêt. Batouba si ba yebi que non, il faut aussi la nana Rwanda, aussi la nana Batouana. Mais quelque part, nous réalisons encore une fois de plus, lorsque le peuple se prépare pour aller justement en guerre, naba simba bino konyoso oiko kiko défendre mboka na bango, nous voyons notre président de la République qui fait un pas en arrière en disant non, ton yo kende kunate. Finalement, toza baloté, on ne sait pas exactement, ni yango toza nakati. Et c'est ça qui fait mal. Et nous konan deza kosa la passi. Yakoloba, finalement président de la République toza wapi, tozo kende bitumba to tozo kende bitumba te. Et comme il sous le kambo ko négocier, et comme il sous le kambo ko benga bato, c'est que d'une part, ça c'est maintenant mon point de vue que je suis en train de vous dire ici. Et nous comment ko tango toloba ka ke non, nous allons faire monter de puissance notre FARDC, puissance na fait il a fait affaire de ce mata. Il faut que Zalana ba acte. L'armée, ça ne se forme pas en 2 mois. L'armée, ça ne se forme pas en 2 semaines. Ça fait depuis 4 ans, nous sommes avec le problème de l'insécurité. Tout le monde a dit qu'il fallait que Zalakuna na place à Bitumba. Il fallait na Katanga kuna. Et pour la barbarie, on m'a pingé wana, on est là qui que non, il y a un homme qui a sauvé biso, et ça qui a perpétré un massacre na Goma na ba Wazalendo. Ça, nous ne pouvons pas oublier. Donc, nous nous retrouvons dans une ambiance où tout le monde est battu exactement et nous connaissons tout le monde.
Qu'est-ce que nous faisons? Où est-ce que nous allons? Tantôt que c'est mort, dans ma pingana biso, tantôt que ça déqueya, tantôt, oh non. Et puis finalement, pour nous voyons la femme du président de la République qui pleure devant ce. Et ça scandale, bande Konangaï. Et ça scandale. Qu'est-ce que nous, à qui est-ce que nous allons croire? Moi aussi, à mon conjabina, le binga la benga ka chef d'état-major, ce qui est ministre de la Défense, ni colonel, se pose dans la situation, et Zaka Kanzambe, Batunyos, tout Batiki Biso. Vous commencez à pleurnicher, au balobaka, président de la République, à comment vous pleurnicher. Voilà la preuve que, même moi aussi, à mon conjab, comme il collait devant les Congolais, est-ce que ça peut nous encourager? Et là, on a vraiment tenu tout la biso moko. Est-ce que qu'on a encouragé biso vraiment? Je suis toujours dans les questions. Naza toujours dans ma question. Mais ko éveiller conscience na bino. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui viendra pleurer devant nous. Nous avons besoin de Félix Tshisekedi ou Abima qui na top Congo à lobi. Ce qui lisa si moko. Na yo qui lisa si moko. Ce qui congolais moko. Ça, c'est ça le président, nous, les Congolais, on vous veut. Nous ne voulons pas quelqu'un venir pleurer devant nous. Bandeko, on est un scandale, moko, nazo et batte place ni dans le temps, on a tali en lobby, nzambe, tokomi wapi. Tokomi wapi, mokani nyango, on se mon président comme il collait là. Mokani nyango, tokomi bisonyo, surtout, toujours comme à soukika, n'a gouvernement, n'a nani. Vraiment, on ne sait pas qui est responsable de ce pays. Nani ango kozwa responsabilité à Kolobakeno. Bon vanda calme, tozo bunda. Bon décourager te. Bon vanda calme, tozo bunda, tozo kende toko gagne. Nous n'avons pas besoin d'être faibles. Le Congo n'est pas un pays de pleurnichards. O toza komona oyo. Et ça le mana nouté na Congo. Et ça le mate bande konangai. Ça fait très très mal. Et ça sala passe na motema. Et ça sala passe bande konangai. To komi wapi bande konangai. Où sommes-nous? Avec quel dirigeant? Batou nyango bazo kambabiso. Batou ba komi kolela na télévision boy. À qui est-ce qu'on va se confier? Ce qu'on connaît là, qu'est-ce qu'on est ensemble dans la quatrième chambre? Mais montrez-nous la victoire, s'il vous plaît. Maman Denise, Ozo qui s'habille sur Sony, maman. Et là maintenant, on a dit que le Bamaka, n'a mis le quoi à battre, n'a pas réseaux sociaux, que nous avons un bambo, que maman Denise. Et bien, la poisson. Laissez-moi vous le dire. Quand madame dit que chaque jour, quand je me réveille, je dois appeler le chef, le ministre de la Défense pour lui demander qu'est-ce qui se passe et tout ça. Est-ce qu'il y a même tout à obligé à Koyobi Sabiso? Est-ce que Moussala Naye Angouana? Est-ce que pour savoir. Et donc, c'était elle à qui donne des instructions? Mbokanabis a dirigé la Batouni Nyango. Qui a la direction de ce pays? Est-ce madame Nyakeru ou bien c'est Félix Tshisekedi lui-même? C'est ça le problème. Le couplas tu bande et bande la yangoana. Tu comme tout ma. Finalement, Zanini. Toza wapi. Mbokani Nyango est comme aboué. Batou a comme quoi koléla na télévision. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe bande Gorangaye. Moi j'ai honte de ce pays. Salini ni bande copoto mérité loco oyo. Ça c'était quelque chose qui m'intrigue et que je me dis maman ressaisis-toi, donne l'espoir, ne venez pas pleurnicher devant le peuple congolais, ne venez pas pleurnicher s'il vous plaît, moi je t'interdis ça. Na pekiso vraiment na pekiso tango kolanda vidéo oyo maman pardon. Moi, si mon conseil, il y a une colère. Le gouvernement n'est pas là pour se plaindre. Il est là pour trouver des solutions. Vous devez venir avec une histoire à encourager. Il y a une chose qui est là. Il y a une chose prendre la disposition que tout ça. Vous voyez bien comment il dit.
ata za koko sabiso me za ko pesa biso espoir à l'obité monisco ata regardez un peu. Le peuple ne veut plus de la Monisco à République démocratique du Congo. Ça, c'est entre parenthèses d'abord. Mais Bemba vient à la télévision. Atiti doit nommer Nazako Lingana. Bon, un chef d'état-major ou bien un ministre de la Défense, il doit venir quand même avec la solution en disant que nous sommes en train de travailler. Atabazako Beta Bisso, mais Tozako travaille pour que Tamsusu, Nandengi Tozako Nandengi bien, victoire et Koki Koya. Mais ne venez pas pleurer. Si aujourd'hui les lots comme on a Bemba a comme Kolela, c'est-à-dire qu'on a perdu la guerre, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire. Tant que maman Denise Rosa Kolobolobito sambela kanzambe parce que batu nyoso tu batiki biso bandeko toyeli sakadino nyoso awa. Nous avions dit, vous aviez trop fêté. Botika kofba fête wana, botika ba voyage, concentrez-vous à la République démocratique du Congo. Moussa les amis, il y a le docteur Mukwege qui avait dit il faut tout ça la Moussa. Moussa les a que Kosa copé sa instruction. Nous devons travailler effectivement. Vous devez. Le chef de la le président de la République, c'est celui qui est le garant de la bonne marche des institutions. Ce qui place Moko et Lokozo Zang et Zosala Bienté, le président doit s'impliquer pourquoi Zosala Bienté. Qu'est-ce qui fait que l'armée est tombée jusque-là? Il est le chef suprême. Et ça, Moussala et Amakasi à Koloba, est-ce que ce sont les finances? Est-ce que ça, Nini? Jusque-là, je peux donner ma langue au chat ou bien ma main à couper en disant que Félix Tshisekedi, il ne sait pas exactement ce qui se passe dans notre FARDC. Ayébité. Parce que ce qui est baka, a kokai ko corriger ango, mais a yebite, il ne sait pas, il n'est pas à sa place en tout cas. Bantu bande kobo eskizengai, Félix Tshisekedi n'est pas à sa place. C'est pour cela qu'il est en train de plénicher. Imagine-toi, gouvernement, vous êtes en train de vous plaindre. Auprès de qui? Batuni yango bako sauver biso so ke zabinote. C'est vous qui êtes chargé à réorganiser cette armée-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons corriger ici? Est-ce que c'est la communauté internationale? Vous dites que oh, ce sont les États-Unis qui nous attaquent à travers le Rwanda. Les États-Unis, États-Unis, France et tout ça. Nous sommes en train de nous tromper des cibles, bande konangai. Regardez ce qui est passé au Sénégal. Lelo oyo cour constitutionnelle balakisi que non, effectivement le pouvoir n'est pas concentré dans la main d'une seule personne. Le Sénégal nous a donné un exemple. La cour constitutionnelle au Sénégal a dit non, biloko wana eza te, il faut qu'on sale baba élection. Macky Sall a commis zoba bandeko mboka o eza mboka ya mutu moko te. Et puis c'est comme cela que moi je suis en train de dire, la cour constitutionnelle, notre justice, tant que nous serons sous la botte d'un seul homme et que cet homme là n'est pas à sa place, nous serons mal barrés. Nous sommes mal barrés. La cour constitutionnelle ne peut pas prendre de mesures sur le contraire de ce que le président dit. Non, ça ce n'est pas ça la loi. Vous êtes en train d'accompagner un monsieur qui n'est pas à sa place. C'est comme ça que biso tozo connaître ba débandade. Le président de la République devrait s'assurer na domaine oyo, na institution oyo, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Yango na za koyebi sabino na lobby na kati ya armée wana. Je sais bien que le président de la République ayebi na eli kambute. Il ne connaît pas exactement ce qui se passe. Et ça, je peux vous l'assurer, le président de la République ne connaît pas. Ayébité, ayébinaété. Parce que s'il savait, et que Batoubazo et Bakeno président Zako Landela Makambu Oyo, et que ba sanction Kokiko Kweya, les choses pouvaient marcher. Mais Tozako Kendewana, alors on ne sait pas exactement. Tozana Katia Nini, est-ce que Tozako Koyeba? C'est ainsi que le réseau est devenu un monde où il y a des images. Comme on a des images à Kala, il n'y a pas une information exacte. Il y a Makamboza Koleka na terrain et Zalite. La voix officielle n'existe pas. On ne sait pas gérer les informations qui viennent du front. On ne sait pas.
batozo yebate na ba soda na biso na ba téléphone ils sont là en train de s'amuser ezala ba wazalendo ezala tout le monde a des informations comme ça parce que mutuna mutu akomi kopesa eloko na ye et ça ne va pas à ce niveau là toko kende wapi bande konangai. On va aller où? Jusqu'où nous allons partir? Tozo koma wapi? C'est ça qui nous tue. Maintenant, parlons-en maintenant un peu du front. Front yango moko sikoyo. Yango naza koyebi sabino a na lobi. Tellement que les réseaux sociaux sont submergés des images. Parfois y'a bat bilo kwa kala. Et oya sika, tout ça. Et le même les militaires, bam tumsusu baza kope sa ba message à désespoir à koloba keno. Et l'ennemi est à quelques mètres. Oh, nous sommes en train de résister. Sommes-nous en train de résister? Allons-nous résister? Vous ne savez pas que la meilleure attaque, la meilleure résistance, c'est d'attaquer. Nous sommes obligés à kobengana munguna toza koloba te que toza résister. Ne nous contentons pas dans la médiocrité. Nous ne pouvons pas résister. Nous devons résoudre les problèmes. Bande kobatu obaza koloba keno faire des sacs comme symbole à résistance. Moi, je me plains, je me dis, mais finalement. Donc, comme nous sommes en train de résister là, ça nous plaît. Est-ce que nous avions cherché à résister ou bien nous sommes en train de chercher à chasser l'ennemi, à l'écraser sur notre terre parce que nous ne pouvons pas les chasser. Il faut tout kanga monguna. Tout si l'Israélo kwana. Je vous rappelle que depuis 5 ans, depuis 6 ans, on n'a jamais réussi à écraser nos ennemis sur notre terre. Bakodeko tokoka bangote. Ba phénomène oya massacre tokoka yangote. Ba groupes armés tito komi kobenga bango boya to solola. Parce que nous sommes faibles, nous ne savons pas nous organiser. Nous ne connaissons pas la solution de notre pays, bande konangaye. C'est pour cela que nous nous disons non, ça qui est symbole de résistance. Ça que nous devons avoir honte. Il faut toyo kasoni. Bandeko, il faut toyo kasoni, bandeko. C'est pas possible. C'est pas possible que nous pouvons nous contenter à résister. Nous allons résister jusqu'à quand? Pourquoi est-ce qu'il faut to benga sadeka ya ko aider biso? C'est parce que nous sommes faibles. Tout ce que M. Félix est en train de prendre comme action, ça ne nous favorise absolument en rien. Et ça, quoi avancer biso ata ici à mon côté. Tantôt que non, c'est la SADEC qui doit venir. SADEC en gué, balobi na eke non. Solo la na batouana. Akene na communauté internationale, balobi te, solo la na batouana. Eh non, non, non. Et puis nous nous retrouvons dans un endroit où nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Or, le problème c'est que Félix en avait déjà montré ses dents. Yako bimisa manza kalobi na kobeta Rwanda. Mais tout le monde, c'est comme ça que maman Denise a crié là-bas, a pleuré. Alobi au tout le monde bati kibiso. Mais Batoubaye Bissakio depuis Kala, depuis 2019, nous ne sommes en train de dire que résolvons le problème le plus important en Mboka na biso. Le problème le plus important est ça qui mouille à Kolongo, qu'on réfléchir comment toko sili sa qui mouille na Mboka. Nous devons réfléchir comment est-ce que nous devons reconstruire ce pays. Nous devons réfléchir comment obtenir la cohésion nationale. Vision ni nyango toza nango pona Mboka na biso ezalité. Tout ça, ce sont des problèmes qui persistent et qui restent et que nous sommes en train de penser que ce qui est au lobby, c'est qu'il y a des makambouana et qu'on a la bien. Non! Nous sommes en train de masturber notre intelligence pour rien. Tozo lo sale loko mon côté. C'est comme ça que nous disons que Félix n'est pas à sa place. Mou kwantombo lo aza na place na yete. Place na yezali wana te. Et nous avons organisé des élections, tripotage, tout ça. Nous avions demandé à ce que le président de la République, qui puisse se réunir même, batounions autour de lui en disant, nous sommes tous ici, tout nous kata solution bande konangai, tous ici salikamboya est. Avant les élections, nous avions dit que nous ne voyons pas ce que les élections vont résoudre. Tolobaka yangoa, ba élection to sali, to bebisi mbongo pamba, or que mbongo wana kaka. Ce qui est 1 milliard, on a combien? Nous avions dit que nous avions la solution. Ce qui président de la République a réuni ça qui batou, a convaincre Batoualobi, ce pays ne m'appartient pas. Voici, réfléchissons pour que nous puissions avoir cohésion nationale, la unité nationale, la réconciliation nationale, pour que tout bongisamboka obisonyonso tout. Et nous nous sommes dit, la seule chose à faire, c'était
les états de lieu de chaque territoire pour que nous puissions retomber dans la 4e République. Nous ne cessons de le dire. Et il ne faut pas que toi y en un modèle Oyo. Il faut qu'on le prépare. Il faut engager que les Congolais soient dans la idée wana. Et que tout le monde maintenant puisse être élément participatif pour reconstruire le Congo. Et ça, il y a des groupes armés, et ça, il y a opposants, et ça, il y a des majorités, et ça, il y a des tribunaux pour que nous puissions signer finalement un pacte de paix. Et ce pacte de paix, moi, je pense que Elinga Kesa, la constitution, asika, où les Congolais n'ont soit Koloba. Où ils ont Katia Moutema, où il faut qu'ils aient inscrit dans Katia constitution asika. C'est comme ça que nous nous sommes dit, la meilleure façon de le faire, c'était d'appeler les états de lieu de chaque territoire. Chaque territoire devrait venir avec ses propositions sur une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'ils pensaient d'une nouvelle constitution? Comment est-ce que nous pouvons aller dans une nouvelle constitution? C'est par là que nous nous sommes dit, il fallait convoquer donc ces états de lieu qui pourront faire voir que dans chaque territoire, il y a au moins 300 personnes qui peuvent réfléchir sur comment est-ce qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes dans leur milieu d'abord, concomitamment avec une nouvelle constitution. On a copé Sabango Badroa, Yakoloba par exemple, sur la sécurité, sur toutes les thématiques de la constitution. Babilo, quand on a soukiba sali ango ba draft na katia ba territoire, territoire siko et tindi ba tunakati ba province. Tous ces 300 personnes là, on peut désigner maintenant 30 personnes ou 10 personnes au ba kokende ko siéger na katia ba province. Pourquoi? Pour aller harmoniser le texte. Lorsqu'ils vont harmoniser ce texte là, maintenant ba constituante, c'est par là qu'on peut avoir maintenant des gens qui sont car calé na katia ba rédaction ba texte, on va avoir maintenant les juristes parce qu'ils auront déjà ce que pensent les Congolais. Et ce sont ces juristes-là qui pourront maintenant se dire que bon, ok, maintenant voici comment on va harmoniser les textes au niveau des provinces. Et chaque province est continue si ko batu. Nakati, il y a l'Assemblée nationale et à Sika. Et ces gens-là pourront maintenant être comme une assemblée constituante pour rédiger maintenant une nouvelle constitution qui passera au référendum pour être avalisée par le peuple à la base en disant que non. Biloko na toloba qui est au discuté qui ont déjà à partir à la base. Maintenant, les Congolais se sont dit voilà la majorité auto-harmonisée, bah, texte n'andenga légal d'une façon aussi internationale et tout ça, bah, harmoniser en pour que eza la constitution moko, ou eza vraiment légal, ou eza koki komon. Tous ces atouts d'une constitution, mais dont les aspirations du peuple sont exprimées. C'est là que nous avions déposé comme solution depuis 2019. Mais je ne sais pas, Batou, Nenge Bazalaka, Oyo Bazalaka, oh non, peut-être ils ont triché. Les histoires des 145 territoires, parce que c'était déjà dans ce que nous avions appelé le projet des 145 territoires. Bandeko, aujourd'hui, nous sommes vendredi, je vous demanderai encore une fois de plus de vous abonner, parce que nous avons besoin de vos abonnements. Vraiment massivement, nous en avons tellement besoin. Média na biso to lingi ango li sou soute keza la média moko yabnan, et nous voulons maintenant ce que est panzana. Et pour cela, votre apport en vous abonnant, en partageant ces émissions, est vraiment... Tout ça en a besoin. Donc, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Bah, émission, tout ça la kanango, 3 ou 4 par semaine. Réactions à la capone actualité. Regardez comment est-ce que j'ai réagi sur l'histoire de... Ça, c'est ma réflexion. Parce que, bah, tu es belé, bah, ça, tu n'as pas la question, wana. Okanisinin, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ça? Omonineni, est-ce que tu ne peux pas nous dire ce que tu penses? Il y a eu beaucoup de questions, surtout dans la réaction. Il y a, disons, un message au boutique, un commentaire. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vu la vidéo après que maman Denise est passée. Alors, c'est comme ça qu'ils ont commenté en disant, bon, est-ce que tu as vu ce que maman Denise a fait? Alors, Bilokwana Nyon, c'est important pour que nous puissions aussi aiguiser ou bien orienter un sujet Nabiso Oto à Porta Cabino. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous remercions encore une fois de plus pour vous qui nous supportez. Que le bon Dieu puisse nous garder pour que tout le monde abaïde Nabiso et Zala appliquer. C'est ça notre but. Batuo Bazangi, peut-être inspiration, il pourra peut-être s'inspirer de nos émissions ici. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.